But there will be no gloom for her who was a Jewish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the later time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness, on them has light shone. You have multiplied the nation. You have increased his joy. They rejoice before you, as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff for his shoulder, the hold of his oppressor, you have broken as on the way of Midian. For every boot of the trembling warrior in battle tumult, and every garment all in blood, will be turned burned as fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, of Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of the government of the peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with rightness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. This Prince of Peace was born in a stable. Let us sing the following carol, Away in a Manger, verses 1 and 3. Le prince de paix est né dans une étable. Chantons la première et la troisième strophe du chant suivant, et chant suivant, loin dans une mangeoire. Thank you.
À cette époque-là, Marie avait dit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde un fils, son fils premier-né. Elle l'enveloppa dans des linges et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans le champ, dans les champs, où ils gardaient leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans les linges et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient les louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'au Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans leur mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait dit. De ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant